في مخي انا اوبلادي جافي سنون في مخي برشا عباد قالوا لي اسمع نو سي كوا اوبلادي شبه اللبلبي راهو في تونس راهو مشي اسمع هاي نمشي نعملوا قهوه في اللبلبي نو نو دي تو محمد فرج 34 ans, étudiant ingénieur, co-gérant de Oblati Coffee. L'idée était qu'il y avait une petite partie où on devait proposer des projets innovants. Puis tout nous chinois liyemchi spécialement, mais que l'acteur haja temchi, qu'on soit direct. Haja d'écologique. Et ça a commencé comme ça. Obladi, à la base, c'est une chanson des Beatles. Pas très connue, des années 70. Obladi, Oblada. Koulou haka, l'arbi, betouti. Obladi, donc Obladi. Wartazet chadit, c'est. Le vert, c'est ma couleur à moi. Kounchaï en vert dans ma vie. Karapti, biti, les rideaux. Mbaad, il y avait quand même, j'étais pas seul là, pour le projet. Il y avait un architecte, des designers, des amis. Kalisma, c'est pas possible, Koulou en vert. Il fallait une petite touche autre que le vert. Du jaune, donc ça fait vert et un peu de jaune. Voilà, ça me surprend. J'ai pas trop visé ça, mais c'est venu tout seul. C'est venu l'ambiance, la clientèle qui s'est sélectionnée. Wahada wahada, moi, c'est des amis, de bouche à oreille, des étudiants. J'y ai pour faire leur projet. Ça a commencé comme ça. Les gens ils se sont sentis à l'aise. Je connais beaucoup, beaucoup de personnes qui ont fait leur projet. C'est mon projet à moi, ça a commencé comme ça. Une opticienne, elle a son propre resto. Je connais beaucoup, beaucoup de monde, c'est des clients. C'était l'annonce de la Covid. Il fallait un menu qui soit possible à emporter. On n'a pas pensé à ça du tout. Il fallait s'adapter pour avoir une terrasse. Mais alhamdoulilah, je me dis que ce n'est pas spécialement nous, c'est le monde entier. Donc on relativise. Ah, c'est un souvenir. C'était les premiers jours où on voyait les clients qui commencent à venir. On voyait les mêmes têtes, c'est des clients fidèles, t'as Colio. Voilà, ça me fait énormément plaisir. J'avais en parallèle un travail sur le monde du café. J'ai découvert tout un autre monde où il y a même des championnats du monde du café. Championnat du monde du meilleur café, championnat du monde du meilleur lait qu'on fait sur le café. On a le cappuccino, etc. C'est une petite passion qui est devenue comme ça. Où à chaque fois où il y a une nouvelle recrue, je lui transmets cette passion. Le café est quand même notre best-seller. C'est ce qu'il faut. Un bon cappuccino, une bonne musique, dan hari hakek. Donuts à la crème, pas de chocolat. le sucré, hein. Un bon French toast, un pain perdu, quelques fruits à côté. Et les Beatles, c'est pour moi une source d'inspiration énorme. Tous les champions du monde du café, les détails pour avoir un shot d'espresso parfait, c'est tout un autre monde. Voilà. Je vais rebladier un peu partout. Commence par tout ça. C'est magique. Life goes on. Ça veut dire c'est pas grave. Tout ça est la base, mais redouan. Bonne continuation. C'est l'inspiration que Barcha, Abed, Fitounes en ont besoin. Quel que soit côté professionnel ou côté client, on va dire, c'est important d'avoir des plateformes comme vous.